Alors, près de 2 ans après le début de la crise sanitaire, où en sommes-nous à ce jour? 2021 a vu la vie presque normale reprendre ses droits grâce au reflux des contaminations et des décès. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par la troisième dose et le variant Omicron, je ne sais pas. Chacun se fait son avis à ce sujet. Nous allons en tout cas faire le point. Et bien sûr, nous verrons comment le secteur du grand âge aborde l'avenir après avoir pu se sortir de la nasse grâce à une politique vaccinale dynamique et volontariste. Florence, je reviens vers toi. On peut dire que, de ce point de vue, l'année a été très agitée. Très agité, alors encore une fois, moins que 2020. L'année, finalement, a commencé le 27 décembre 2020, puisque le 27 décembre 2020, 3 EHPAD du Cinerpa ont eu la chance, le lendemain de la vaccination de Morissette, de rentrer de plein pied dans la première vaccination, première dose. Donc 3 EHPAD qui ont été 3 EHPAD test pour le Cinerpa dès la semaine de décembre 2020, entre les deux fêtes. Et à partir du début janvier, les doses, première dose, deuxième dose, donc une grosse partie, un premier trimestre quasiment exclusivement consacré à la vaccination, première et deuxième dose. Dès fin février, les chiffres de contamination et de décès diminuent significativement. On ose même le dire, tant on en est surpris, heureux, et on n'ose même pas le répéter tant qu'on veut, voilà, on veut savoir, on veut être sûr. Et puis finalement, début mars, oui, on est bien sûr, le vaccin fonctionne et la vie peut reprendre dans les EHPAD. Au printemps, c'est la deuxième phase de l'année qui débute avec le protocole du 12 mars qui nous demande d'ouvrir les portes à nouveau. Vous savez que l'année 2020 a été très compliquée avec beaucoup de confinements en EHPAD, beaucoup de visites refusées. Et donc, du coup, là, au printemps, deuxième phase de l'année au niveau du Covid, on ouvre à nouveau les portes, les animations reprennent, les salles de restaurants ouvrent à nouveau, les familles reviennent, les visites en chambre sont à nouveau autorisées, les sorties des résidents progressivement, et donc sur 3-4 mois, les EHPAD reviennent en fonctionnement normal. D'ailleurs, la troisième, quatrième vague revient en France, tandis que dans les EHPAD, finalement, rien ne bouge. À nouveau, on est au calme. La vaccination, première et deuxième dose, porte ses fruits. Bien sûr, on va directement sur la vaccination des salariés, puisque celle-ci commence un tout petit peu après celle des résidents. On démarre bien et puis on bute. À partir du mois de juin, on bute. On bute clairement 50-60% de salariés vaccinés, mais on n'arrive pas à progresser davantage. C'est là qu'on se retourne vers Olivier Véran, qui nous propose de faire une véritable union en faveur de la vaccination obligatoire des soignants. Et l'été sera donc consacré au projet de loi, à la fois à l'obligation vaccinale des soignants et à la fois à la mise en place du passe vaccinal en EHPAD. Donc au mois d'août, tous sur le pont pour travailler autour de la loi qui sortira début août, qui imposera le passe vaccinal pour rentrer en EHPAD et qui imposera l'obligation vaccinale des salariés 15 octobre étant les deux dates butoirs pour que tous les salariés soient vaccinés. On a craint la suspension, elle n'est finalement pas arrivé que très peu. Beaucoup de salariés, quelques salariés ont été suspendus. Certains sont même revenus après en finalement acceptant la vaccination. Et puis la cinquième vague. Alors évidemment, entre-temps, la dose de rappel pour les résidents qui arrivent début septembre dans nos établissements. Dès le début septembre, nous avons la chance à nouveau d'être les premiers sur la dose de rappel. Un effet boost immédiat qu'on constate en EHPAD dès le mois de septembre. Des commandes qui se font très facilement, des livraisons qui se font très facilement. La vaccination anti-grippe en embuscade derrière cette première vaccination, cette troisième vaccination Covid. Et donc, on arrive à la cinquième vague, une année un peu sur les rotules, il faut bien le dire, même si elle est moins fracturante que 2020, une année 2021 très, très difficile psychologiquement, physiquement, nerveusement. Cinquième vague qui, pour l'instant, ne touche que de façon très mineure les EHPAD, de façon vraiment stable et maîtrisée. Quelques clusters, mais souvent asymptomatiques, majoritairement asymptomatiques. Et un Covid avec lequel, aujourd'hui, nous parvenons à vivre. Donc, évidemment, quelques demandes encore, qui, d'ailleurs, on a fait quelques dépêches dans la presse pour le dire. Les salariés, la vaccination obligatoire des soignants, aujourd'hui, comprend deux doses. Nous aimerions qu'elle
qu'on prenne la dose de rappel obligatoire, puisqu'on va rapidement buter. Là, on a effectué la dose de rappel pour les résidents, mais il va falloir évidemment aussi maintenant œuvrer en faveur de la vaccination de doses de rappel pour les salariés. Ça commence, hein, 15% des salariés ont déjà reçu une dose de rappel et il va falloir continuer dans les mois futurs. Alors évidemment, le secteur est plutôt calme du côté Covid. Mais voilà, on va entendre et écouter nos intervenants pour savoir. Évidemment, je rends tout de suite hommage à Paul-Émile Haye, qui est notre président de commission soins depuis le début de la crise. Donc, on a tout fait ensemble. Alors, on vous donnera la parole, Paul-Émile, dans un instant. On va revenir sur la situation sanitaire, bien sûr. Mais pour commencer, puisque tu as aussi évoqué l'activité économique, on va s'y intéresser avec Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Bienvenue, monsieur Duménil. Merci, bonjour. La croissance du troisième trimestre en France est spectaculaire, 3%. Elle a permis à l'économie française de revenir à son niveau d'avant-crise dès la fin de cet été. Doit-on parler de rebond ou de reprise ? Ben, c'est un peu la question. Alors, les indicateurs globalement sont excellents. Hein. Tous les indicateurs sont au vert. Juste pour vous donner un ou deux éléments, on a retrouvé le niveau de PIB d'avant crise et la situation de l'emploi est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise. Donc, globalement, les choses se présentent bien. Est-ce que ça va durer ? Point d'interrogation. Il y a évidemment le rebond qu'on connaît aujourd'hui avec certains secteurs qui ont été immédiatement frappés. L'événementiel, les traiteurs, donc là, il y a eu évidemment une chute d'activité. Et puis, au niveau des entreprises, il y a de l'activité. Donc ça, c'est la chose essentielle, la chose la plus importante. Mais il y a aussi des difficultés. Alors, il y en a deux principales. La première, c'est ce qui concerne les matières premières. Deux éléments. Difficulté d'approvisionnement et hausse des prix. Et puis, augmentation du coût de l'énergie aussi, qui concerne à peu près tout le monde. On estime, on a fait une étude CPME, qu'il y a 80% des boîtes qui sont impactées. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que seule une minorité d'entre elles envisage d'augmenter leur prix de vente et donc elles vont rogner sur leur marge. Alors, est-ce qu'elles seront en capacité de le faire très longtemps ? Point d'interrogation. En tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et puis le deuxième point, et ça, je sais que vous êtes tous concernés ici, concerne ce qu'on appelle les pénuries de compétences. En clair, les difficultés de recrutement. Alors ça... On va rappeler, si vous me permettez, que 300 000 offres d'emploi sont non pourvues depuis plus d'un an, alors que plus de 5 millions de personnes sont aujourd'hui indemnisées par Pôle emploi. Ça, c'est le paradoxe. Effectivement, on est dans une situation folle où les chefs d'entreprise que vous êtes ne parviennent pas à recruter. C'est vrai aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, c'est vrai quasiment pour tous les postes et dans tous les secteurs géographiques. Comme ça, on a balayé très large. On ne parvient pas à recruter et dans le même temps, il y a des salariés qui ne parviennent pas à trouver un job. Alors évidemment, il y a un problème de formation, il y a un problème d'orientation, mais il y a aussi, je crois qu'il faut dire les choses, un problème d'incitation à la reprise de l'emploi. On a un système d'assurance chômage qui a été calibré en quelque sorte pour des périodes de crise économique, pas pour des périodes de reprise d'activité économique. Donc ça, pour nous, ça sera un des enjeux à solutionner très rapidement après la prochaine échéance présidentielle. Il va falloir qu'on mette fin à ce paradoxe et faire en sorte que les demandeurs d'emploi puissent reprendre un emploi et que les chefs d'entreprise trouvent des gens embauchés. Sinon, on va se retrouver dans des situations de blocage. On a aujourd'hui des entreprises, et je suis sûr qu'il y en a dans la salle, qui renoncent à des marchés faute de personnes pour y répondre en face. Donc c'est de la perte de richesse collective et à titre individuel, c'est une catastrophe. Donc il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que selon vous, la réforme de l'assurance chômage qui est entrée en action, on rappelle de quatre mois de cotisation, les deux dernières années, on passe à 6 mois et à la dégressivité des indemnités qui sera plus rapide pour les hauts salaires. Est-ce que ça va dans le bon sens par rapport à ce que vous évoquiez juste avant ? Oui, clairement, ça va dans le bon sens. Ça ne va pas résoudre le problème, mais effectivement, c'est incitatif à la reprise d'un emploi. Mais ça ne suffira pas. Dans les exemples de choses totalement aberrantes, vous êtes chef d'entreprise, vous avez quelqu'un qui est en contrat à durée déterminée, et je suis sûr que certains d'entre vous ont vécu ça, vous proposez à la fin de ce CDD un contrat à durée indéterminée.
eh bien, on a des salariés aujourd'hui qui refusent ce contrat à durée indéterminée pour aller s'inscrire à Pôle emploi. Bon, est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Non. On ne peut pas dire que ce soit des gens qui recherchent un emploi, on leur propose un emploi. Donc vous voyez, il y a des choses à faire, il faut qu'on aille plus loin. Et puis à plus long terme, il faut à tout prix qu'on travaille sur l'orientation des jeunes, une meilleure connaissance entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Il y a énormément de choses à faire, mais bon, après tout, on va bien y arriver. Soyons optimistes. Un mot, Jean-Eudes Duménil, sur les aides perçues par les entreprises. Elles vont devoir les rembourser, le pourront-elles ? Alors, le premier point, je crois qu'il faut le rappeler, c'est que l'État a fait le job. Mars 2020, un petit retour en arrière, parce qu'on est sur un zapping, l'économie s'arrête brutalement, donc sidération du côté des entreprises qui ne savaient pas comment elles allaient payer les salaires, vous l'avez vécu, comment elles allaient tourner tout simplement sans activité. Et effectivement, les mécanismes qui ont été mis en place ont permis de résoudre, en tout cas de pallier la difficulté. Donc il y a eu l'activité partielle pour les salariés, prise en charge en immense partie par l'État, 100% par l'État. Ensuite, il y a eu les allègements de charges fiscales et sociales, il y a eu le fonds de solidarité, et puis il y a eu le fameux prêt garanti par l'État. 130 milliards d'euros donnés, alors ce n'est pas donné justement, prêtés aux entreprises dans cette période-là, à hauteur de 25% du chiffre d'affaires. Le sujet maintenant, c'est que on arrive à la période où on va commencer à parler remboursement. À partir de mars 2022, donc mars prochain, les entreprises vont devoir commencer à rembourser. Et là, on va attaquer le dur. Parce que le remboursement se passera sur... On avait un différé de remboursement de 2 ans possible et ensuite 4 ans de remboursement. Donc ça va faire des échéances qui vont être assez lourdes. Et pour que les entreprises puissent rembourser... Ben naturellement, elles devront avoir davantage d'activité et ce niveau d'activité devra se maintenir. Et c'est ça la question, c'est ça l'interrogation qu'on a. Et nous, ce qu'on réclame au pouvoir public, et on l'obtiendra, c'est un allongement de la durée de remboursement des prêts garantis par l'État. Si on n'obtient pas ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer que le taux de sinistralité, c'est-à-dire la défaillance d'entreprise, il va nécessairement exploser. Deux chiffres. En période habituelle, il y a à peu près 50 000 entreprises chaque année qui disparaissent. 50 000. C'est beaucoup, mais c'est annuellement la moyenne, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, paradoxalement, on en a moins de 30 000 qui se sont retrouvées dans cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui n'auraient pas été viables en période normale, qui ont été aidés massivement, et on ne peut que s'en réjouir, mais naturellement, celles-là, probablement, on va les retrouver dans l'augmentation des défaillances très rapidement, et puis celles qui ont été fragilisées par la crise, si on ne leur permet pas d'étaler les remboursements, on n'y arrivera pas, parce que remboursement de PGE, on l'a dit, mais remboursement aussi de charges fiscales et sociales, ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ça mis bout à bout, on a... 40% des boîtes qui nous disent qu'elles connaissent une dégradation de leur situation financière, et on peut le comprendre. Donc, je le répète, tant que l'activité se maintient au niveau actuel, ça passe. Par contre, si ça baisse, ça ne passe plus. Je rappelais tout à l'heure les 3% de croissance du troisième trimestre. La Banque de France, elle, table au final pour l'année 2021 sur 6,7%. De croissance, le chiffre a été donné hier. Alors évidemment, la situation économique dépend de la situation épidémique. On en parle avec le professeur Olivier Guérin, vice-président de la Société française de gériatrie et de gérontologie, membre du conseil scientifique, qui nourrit de ses avis et réflexions le conseil de défense, qui se réunit autour du chef de l'État. Alors, professeur Guérin, où en est-on de la circulation du virus ? C'est les dernières mesures annoncées il y a 3 jours à l'issue du dernier conseil de défense, à savoir extension du télétravail, fermeture des discothèques, renforcement du protocole sanitaire dans les écoles, lever le pied sur les interactions sociales, on va vers une vaccination des enfants en fin d'année. Est-ce que toutes ces mesures vont nous permettre de passer cette cinquième vague ? Alors oui, évidemment, on va y arriver. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a face à nous une vague qui continue de croître,
même si elle croît un peu moins vite, donc on n'est pas au pic. Par contre, la dissémination virale est massive, est vraiment massive, et que on n'a pas beaucoup de leviers pour jouer dessus là tout de suite. Et évidemment, il y a la troisième dose qui réduit considérablement la transmission, et pour les publics à risque, et devant le CINERPA, nous, ça nous parle beaucoup, réduit aussi considérablement le risque de forme grave. Donc, le levier troisième dose est un levier puissant, mais c'est un levier qui ne va pas nous permettre de diminuer tout de suite, objectivement, la cinquième vague, le temps de la mise en application massive de la troisième dose. Donc, le levier immédiat, ce sont les mesures barrières et notamment la responsabilisation individuelle. Clairement, pour réussir à passer les 2-3 semaines qui viennent, il faut, je dirais, une réaction de notre corps social pour reprendre les habitudes habituelles, les habitudes désormais bien connues de remise des dispositions spécifiques, le masque, le lavage des mains, l'aération des pièces, hein, mais aussi qu'on accepte tous, et dans une période de fête, c'est jamais très facile, bah, de reprendre un peu de distance physique avec nos compatriotes, de distance physique même au sein des familles, et de réussir à ne pas voir trop de monde pour diminuer, encore une fois, cette vague. Vous le savez, hein, juste pour mémoire rapide, mais les chiffres qu'on enregistre aujourd'hui d'incidence, c'est dans 15 jours ou 3 semaines qu'on aura la conséquence hospitalière, c'est-à-dire en plein cœur des vacances de Noël, et c'est vrai que c'est très inquiétant à l'heure actuelle sur le volume de formes graves que l'on va devoir récupérer. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on aurait eu à une incidence pareille sans la vaccination, bien sûr, mais ça va être très, très difficile à gérer pour les structures sanitaires, l'hôpital public évidemment, mais aussi les collègues du privé. Il y a aujourd'hui à peu près 2400 personnes qui sont placées en réanimation, c'est ça ? Oui, mais alors le pic qui est prévu, hein, par nos modélisateurs au Conseil scientifique, c'est un taux d'admission quelque part entre 2000 et 2500 par jour dans les 2 à 3 semaines qui viennent, ce qui fait beaucoup de monde. Après, vous avez le ratio 1 sur 5 pour les réanimations, donc vous voyez qu'on va vite quand même arriver dans des situations qui sont équivalentes ou pas très loin de la troisième vague, par la dissémination, par la contagiosité du Delta. Alors, d'accord, on parle du Delta. On parle du Delta, effectivement. D'ailleurs, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a déclaré la semaine dernière « Ne nous trompons pas de combat. Le vrai combat, le vrai ennemi, c'est la cinquième vague avec le variant Delta. » Alors qu'on parlait beaucoup de cette fameuse mutation Omicron, dont l'OMS nous dit hier qu'en fait, l'Omicron ne serait pas plus dangereux, voire peut-être un peu moins que le Delta. Alors oui, ce n'est pas pour autant qu'il faut être négligent sur le risque potentiel de l'Omicron. Hein. Parce que ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que, et c'est une chose incroyable parce qu'on est au-delà de tous les seuils connus, notamment de transmissibilité, c'est un virus extrêmement transmissible. Transmissible, ça veut dire qu'il est probablement plus contagieux que le Delta, ce qu'on appelle le R0, mais il y a aussi un effet de résistance partielle ou complète à la fois à l'immunité acquise par l'infection et à la vaccination, ce qui fait que ça augmente encore sa transmissibilité. Donc il est extrêmement transmissible et il va devenir dominant dans le monde. Il va remplacer le Delta. Ça, on en est à peu près certains désormais. La question qui se pose et qui est une question cruciale pour nous tous, c'est est-ce qu'il est aussi dangereux que le Delta ? Plus, ça paraît assez peu probable, mais ça serait bien qu'il le soit moins. Surtout. Et pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Pourquoi ? Parce que le recul qu'on a en contamination clinique, c'est sur des populations jeunes, et donc on ne sait pas quel est son impact véritable à une échelle importante sur nos publics vulnérables. Et notamment, vous le savez, l'âge étant le principal facteur de risque, disons pour les plus de 65 ans. Alors, on va parler effectivement de ce public, voire même plus
plus âgés encore, public qui nous intéresse particulièrement. Je rappelle d'ailleurs que c'est vous hein, qui, au sein du Conseil scientifique, sur cette question-là, sur la question des EHPAD, sur la question du grand âge et du vaccin et du virus, murmurez à l'oreille de l'exécutif. Hein. Donc vous avez des choses certainement à nous dire à ce sujet. Peut-on dire qu'il est urgent, et on demandera la réaction du docteur Haï, peut-on dire qu'il est urgent de faire aujourd'hui un rappel massif de vaccins pour le personnel des EHPAD et pour les résidents? Exactement. Il faut passer la démultiplier, réussir le challenge du rappel pour l'ensemble de nos résidents et réussir aussi un challenge plus compliqué qui est celui du rappel de nos personnels, établissements médico-sociaux et structures sanitaires aussi, évidemment. Alors, docteur Haï, je rappelle que vous êtes directeur médical et qualité de Colisée France, et Florence le disait, président de la commission soins du CINERPA. Qu'en est-il aujourd'hui des protocoles de soins dans les EHPAD? On a des protocoles qui sont en place depuis avant l'été, en fait, qui n'ont pas beaucoup changé. Les urgences, c'est pas tant le protocole, parce que les équipes sont extrêmement aguerries maintenant à la maîtrise, au premier cas, de faire des tests extensifs, excentriques à partir de ce cas. Le sujet, c'est la vaccination. Je crois que ceux qui me connaissent savent que ça fait des années que je suis pro-vaccination. Je pense que Florence le sait, on l'est tous, et je crois que les rares médecins qui ne le sont pas nous posent encore des questions, même métaphysiques, intellectuellement. Et quand on voit l'efficacité de ce vaccin, si on peut faire une seule chose efficace ce soir, ça aidera toutes les PME, toutes les entreprises de la France. C'est vaccinons-nous, point, point, et faisons le plus vite. Je remercie Olivier, on a parlé tout à l'heure, qui me dit que la SFGG va prendre une position courageuse, je pense, de dire qu'il ne faut pas attendre 5 mois après la dernière infection, la dernière vaccination pour arriver à une troisième injection de ce vaccin pour obtenir une efficacité contre tous les variants qui pourraient circuler. Et Florence l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, ça marche admirablement bien dans les EHPAD. Pour ceux qui ont encore des doutes, ce n'est pas le cas de la salle présente ici. Depuis le printemps 2021, il n'y a plus de sujets de mortalité Covid ou quasiment plus dans nos établissements. Le seul sujet qui nous intéressait, c'est de protéger les populations fragiles qui étaient autour de nous. Et depuis le printemps, et on a vu exactement se croiser les courbes de mortalité avec les courbes de vaccination, la vaccination fonctionne. Donc le protocole, c'est vaccinez-vous, 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 et on y revient en permanence. Et la règle aujourd'hui, donc, dans les établissements, c'est la liberté d'aller et venir. Oui, dans les établissements, sauf s'il y a des cas dépistés, et ça arrive, hein, on adapte les précautions dans ce cas-là. Ça veut dire qu'un directeur d'EHPAD peut prendre des mesures exceptionnelles? Exceptionnelles, oui, tout à fait. C'est vraiment une exception hein, actuellement. Pour un réseau de 100 établissements, il y en a 2 actuellement qui sont concernés. Donc c'est vraiment une exception. Et donc la grande majorité des sites, de nos sites, des sites de tous les adhérents du CINERPA, et j'imagine par extension de tous les EHPAD en France, c'est la liberté d'aller venir, la liberté d'aller venir en visite, en sortie, en travail. Alors, il y a des règles. Hein. Les salariés sont masqués, tous, tout le temps, sauf s'ils mangent. Mais ça, ils ne mangent pas avec les résidents et de pas devant eux. C'est la vaccination obligatoire, on l'a dit, pour les salariés, pas pour les résidents. Je milite au passage pour qu'on étende cette vaccination obligatoire ailleurs que chez les salariés. Je suis très heureux de ce premier sujet, mais je pense qu'on peut faire plus. Puis, il y a encore un petit nombre de familles et de résidents réfractaires qui se mettent en danger. Et on le voit à chaque fois qu'il y a encore un petit début d'épidémie, ce sont eux qui ont les formes graves et qui meurent. On retourne la boucle en permanence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et enfin, donc pour répondre aux mesures en place, les visites sont autorisées. Il faut un pass sanitaire pour rentrer en EHPAD, mais on peut venir visiter son proche comme avant. Professeur Guérin, l'obligation vaccinale, c'est quelque chose qui vous semble la mesure vers laquelle, à laquelle il faudra parvenir? En tout cas, il me semble que et l'OMS et les autorités sanitaires européennes ont demandé à l'ensemble des États membres de réfléchir très fortement à cette hypothèse. Et vous? Alors, c'est assez partagé, pour le coup, même au sein du Conseil scientifique. Hein, ça se lit à travers les lignes des différents avis. Moi, je pense que, par exemple, pour les soignants, je ne comprends pas, objectivement, pourquoi ce n'est pas déjà le cas, puisqu'on avait déjà imposé pour l'obligation professionnelle d'avoir les 2 doses du schéma initial. On sait maintenant qu'on est sur un schéma avec rappel. Ça me paraît d'une logique implacable. Bon,
C'est au ministre de la Santé d'en décider, évidemment. Pour la population générale, la question qui se pose, c'est vraiment quoi faire si les citoyens ne respectent pas l'obligation. Et combien on en rattrape en mettant une obligation. Voilà, c'est le sujet qui est un sujet qui dépasse les compétences scientifiques. C'est un sujet sociétal et politique. C'est difficile de se prononcer là-dessus. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même bien que la communauté internationale mette la pression globalement, parce que le vrai sujet aussi, et on le voit avec l'émergence de l'Omicron, c'est la vaccination de la planète tout entière. Et si on veut pouvoir se sortir, se dire qu'on en a pour 5 à 10 ans, c'est vrai, avec des vagues qui vont être de moins en moins délétères pour nos concitoyens, mais c'est un peu l'échéance qu'on a. Objectivement. Et ça veut dire une quatrième dose, une cinquième dose ? Peut-être. Des rappels réguliers ? Peut-être. Peut-être. C'est très difficile de le dire pour l'instant. On sait que dans les schémas vaccinaux, les rappels s'espacent de plus en plus. Hein. Donc on ne va pas être sur une vaccination tous les 4 mois, probablement. Mais c'est très difficile de vous dire. Surtout qu'il risque d'y avoir des adaptations vaccinales. Ça, on va le vivre probablement avec l'Omicron. Est-ce qu'on peut dire un mot rapidement, car le temps file, évidemment, comme d'habitude. Peut-on dire un mot de la commande de 50 000 gélules anti-Covid du laboratoire américain Merck, commande passée par l'État, hein. On attend dans les 2 mois une autorisation officielle de l'agence européenne, mais une dirigeante de la filiale française de Merck déclarait récemment que la France pouvait, pour des traitements d'urgence ou critiques, avoir un accès précoce à ce traitement. Ça ne va pas remplacer le vaccin ? Alors non, c'est en complément du vaccin. Et ce sont ces traitements précoces. On a aussi les anticorps monoclonaux, hein, ou polyclonaux, ou les cocktails d'anticorps monoclonaux, pour être plus précis. Ce sont des stratégies qui sont utiles, les antiviraux aussi. Alors ça marche sur le Delta. Donc on en a besoin et on voudrait les déployer très vite pour essayer d'avoir moins d'impact de cette cinquième vague Delta. Après, il y a les ajustements et les tests qui sont faits sur l'Omicron, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Donc on a encore un peu de science à produire pour être certain que ce soit utile. Mais ce sont des traitements utiles là tout de suite, dans le cas de la cinquième vague Omicron. Et on a vraiment demandé à ce que l'intendance suive, pour le coup, et qu'on puisse les avoir à disposition, y compris en soins primaires, c'est-à-dire pour nos collègues de médecine générale, qui sont ceux qui voient en premier les éléments de contamination terrain, et c'est comme c'est des traitements très précoces, il faut qu'ils puissent les mettre en œuvre, eux. Bien. Yann Roboulot, vous êtes le président du groupe Philogéris, une vingtaine d'établissements. J'aimerais savoir ce que vous inspire tout ce que vous venez d'entendre sur le déploiement, en tout cas, dans les établissements, les vôtres en particulier. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je crois que parfois, un graphique vaut mieux que beaucoup d'explications. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que ce qui a été notre planche de salut, entre guillemets, ça a été la vaccination, et la vaccination qui a démarré depuis un an. Quand on regarde les courbes, ça a été évoqué, quand on regarde les courbes, il n'y a absolument pas photo. La vaccination, ça a produit et ça continue de produire aujourd'hui sur simplement un écosystème, cette chimère collective qui est celle de l'immunité collective. C'est-à-dire que sur un écosystème comme un EHPAD, avec la vaccination à 92-93% des résidents, avec la vaccination à 100%, et je dirais même maintenant, il faut penser à la vaccination 100% dose de rappel de nos salariés, l'application des mesures barrières, c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que j'ai moi osé l'expression, dans les EHPAD, voilà, on voit les courbes, on voit comment, quand la population générale, ça progresse, dans les EHPAD, ça reste très calme. Et aujourd'hui, dans les EHPAD, malgré cette cinquième vague qui est plus puissante que la quatrième vague, celle du mois d'août, dans les EHPAD, on n'a pas plus de contamination qu'on en avait cet été. Cet été, on n'en parlait pas. Là, il y a un peu d'effet de loupe dans la presse quotidienne régionale. Donc, dès qu'il y a un cluster, mais il y en a très peu, on en parle dans la presse quotidienne régionale. On va encore en parler parce qu'on a entendu hier qu'il y a deux salariés d'un EHPAD de Dreux qui ont chopé le variant Omicron. Donc ça va être la deuxième séquence. Mais objectivement, aujourd'hui, dans les EHPAD, on est en calme très, 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 quasiment plat. Et donc on est
Ce sera Noël au balcon, je crois qu'il faut en profiter dans nos établissements. Donc 93%, hein, 93% de résidents vaccinés au niveau national. 93% de résidents vaccinés. Alors effectivement, on a eu à un moment donné au printemps une angoisse, on s'est dit mais on va dépasser les 100%. En fait, ce que Santé publique France avait oublié, c'est que notre population elle n'est pas statique, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des nouveaux résidents. Et puis qu'il y a un petit souci encore dans notre pays, mais on le sait bien au niveau du conseil scientifique, c'est le aller vert qui n'a pas très bien fonctionné. Et dans nos établissements, il nous arrive encore de recevoir des personnes très âgés, très abîmés, entre guillemets, qui ne sont pas vaccinés. Ça devient exceptionnel, mais il y a encore aujourd'hui 400-450 000 personnes de plus de 80 ans en dehors des EHPAD qui ne sont pas vaccinées. Quand elles arrivent dans les EHPAD, alors d'abord, elles sont très fragiles et c'est les premières cibles, entre guillemets, pour cette cinquième vague. On le voit d'ailleurs dans les chiffres hospitaliers. Ça redevient, ça l'était un peu moins l'été dernier, ça redevient une maladie de vieux, entre guillemets, cet automne. Donc il faut continuer cet effort-là et il faut continuer, nous, notre écosystème, à faire finalement un peu ceinture et bretelles et donc avec cette dose de rappel qui doit rentrer dans le schéma vaccinal obligatoire. Je pense que c'est effectivement le prochain enjeu. Dans l'intervalle, je le redis, ça a déjà été dit, il faut qu'on passe Noël au balcon, d'abord parce que ça permet d'aérer, et puis parce que rien ne justifie aujourd'hui, à la fois en termes d'image, en termes éthiques, rien ne justifie de priver nos résidents, qui en ont déjà été privés l'année dernière, de les priver de cette période de fête. Donc le message que moi je délivre dans mes établissements, c'est les fêtes de Noël, ce sont des fêtes, j'allais dire, normales, ordinaires, presque de la vie d'avant, c'est plus la vie d'avant, parce qu'on a effectivement cet écosystème protégé, mais éthiquement, notre profession, elle doit renvoyer ce signal que quand on arrive à bien protéger, et il faut continuer de bien protéger, on peut protéger un écosystème et rendre la liberté à l'intérieur de cet écosystème. C'est désespérant, il faut le dire, il faut que quelqu'un le dise aujourd'hui, c'est désespérant de voir qu'il y a encore aujourd'hui des établissements qui, dès le premier, le deuxième ou le troisième cas, font tomber une chape de plomb sur leur établissement, alors que de tout temps, en situation épidémique, la règle, c'est l'isolement de la personne contaminée, c'est le testing massif de tous les gens qui sont autour, éventuellement l'isolement individuel des personnes qui sont cas contact à risque grave. C'est ce qui est écrit dans le protocole du ministère du mois d'août et rien n'a été changé. Vous avez parlé tout à l'heure des mesures prises cette semaine. Aucune ne touche le secteur des EHPAD parce qu'il n'y a pas de justification dans le secteur des EHPAD. Jamais d'isolement collectif, jamais de chape de plomb sur nos établissements, uniquement des mesures adaptées à des situations individuelles d'abord. Il y a des résidents cas positifs et puis des résidents pas cas positifs. Il y a de temps en temps des résidents malades, mais en tout cas, plus de mesures qui transforment nos établissements, comme certains le stigmatisent, à tort, mais comme certains le stigmatisent en établissements carcéraux. Et vous l'avez dit d'ailleurs très vite, parce que vous, dès février 2021, vous disiez qu'il fallait rouvrir les établissements, revenir à la situation la plus normale possible. Donc c'est un discours qui n'a pas changé de votre part. Un mot rapidement, s'il vous plaît, on a parlé des résidents, un mot sur votre personnel, 800 salariés, c'est ça, à peu près. Sur Philogiris, on a 800 salariés, on a eu 8 suspensions de contrat de travail, donc précisément 1% de nos salariés, mais je pense que ce sont les chiffres qu'on a à peu près partout dans la profession. Et aujourd'hui, on a une bonne dynamique, y compris sur la dose de rappel. On le sait, il ne faut pas qu'on soit dans la situation où on était au mois de juin, c'est-à-dire 50-60% des salariés très volontaires, et puis un fond de cuve important de 40% de salariés qui sont hésitants. Il faut dès à présent dire le schéma vaccinal obligatoire. Il faut juste un décret, c'est pas compliqué. Le schéma vaccinal obligatoire pour les professionnels de santé au sens large. L'hôpital a les mêmes problématiques que nous. Le schéma vaccinal réglementaire dans l'obligation vaccinale, c'est les deux doses, puis une dose de rappel à 4 mois, 5 mois, 6 mois, peu importe. Mais la dose de rappel doit rentrer dans le schéma vaccinal obligatoire. Docteur Haï, vous abondez dans le sens de M. Rebouleau ? Oui, il faut de la clarification. J'invite, et je sais que Olivier Guérin l'entend volontiers, que nos décideurs aient des messages clairs, simples, entendant ce qui se passe sur le terrain. Je rajoute un point, parce qu'on le dit, on est entre personnes travaillant dans le milieu des EHPAD, et ça fera plaisir à tout le monde. C'est, changeons aussi le regard qui a été celui sur les EHPAD pendant 2 ans. Il faut dire que les EHPAD sont les exemples en la matière actuellement. Il n'y a pas d'autre communauté de vie où la population est aussi massivement vaccinée, aguerrie aux gestes barrières, sachant réagir à chaque cas, sachant tester, sachant faire ce qu'il faut faire pour gérer cette situation qui est là pour durer trop longtemps. Je vous rappelle,
il y a 2 ans, on n'y croyait pas. En mars, on se disait, ça va être fini à l'été. Certains le disaient, certains professeurs dans le sud de la France, ce sera terminé pendant l'été. Mais ce n'est pas le cas. Et on est à la 5e, c'est pas terminé, c'est ni saisonnier, ni réglé avec un seul vaccin. Par contre, c'est largement, largement contrôlable avec de la science et avec de la rigueur. Merci. Docteur Patrick Lemoine, vous êtes psychiatre, spécialiste des troubles liés au sommeil, auteur de plusieurs livres sur le sujet, mais pas que. Vous avez été directeur médical international de la division psychiatrie du groupe Orpea de 2003 à 2018. Comment va la santé mentale des Français? Il paraît que c'est pas terrible. Tous les indicateurs sont au rouge. Je suis désolé. Alors, je n'irai pas par 4 chemins. Autant je pense qu'Emmanuel Macron, le président de la République, a fait le job. Il a été le père de la nation. Restez chez vous. La solennité était telle que tout le monde s'est confiné, tout le monde a obéi, et il a quand même donné un énorme coup d'arrêt à l'épidémie. En revanche, je ne serais pas aussi louangeux avec l'HAS, qui, si elle avait eu pour 2 sous de jugeote et de capacité d'anticipation, on n'en serait pas là. Je m'explique. Tout repose, la santé, tout repose, la longévité sur le sommeil. Parce que c'est au cours du sommeil que, par exemple, on évite de devenir obèse, diabétique, cancéreux, d'avoir des infections, d'être déprimé ou de perdre la mémoire. Tout repose parce que c'est au cours du sommeil qu'on fait toute l'hormone de croissance. Or, pour dormir correctement, 2 paramètres. 1, être en sécurité. 2, être à son heure, qui est génétiquement déterminée. Et si l'HAS avait dit, style 5 fruits et légumes, c'est simple, levez-vous à la même heure que d'habitude et télétravaillez aux heures de bureau, on n'en serait pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, d'une part, la trouille. Parce qu'il y a un vilain virus qu'on ne connaissait pas en 2020 qui traînait partout. On s'est retrouvés confinés. On pouvait avoir peur du conjoint parce qu'il y a eu énormément de violences conjugales et même de féminicides. On pouvait avoir peur de la faillite. On pouvait avoir peur de tout un tas de phénomènes. Et deuxièmement, il y a eu un double effet que moi j'appelle télétravail Netflix. À savoir que si je peux travailler à l'heure que je veux, et si en plus je peux chatter, Instagrammer, Netflixer à n'importe quelle heure, qu'est-ce que je vais faire? Ben, si je suis du matin, je vais télétravailler à 4 heures du mat, pourquoi pas? Je ne suis pas obligé, puisque je n'ai pas un patron qui va me pointer quand je vais arriver. Et si je suis du soir, génétiquement, ben, je vais télétravailler jusqu'à 2 heures du matin. Or, on sait en psychiatrie, je suis chronobiologiste hein, avant tout, on sait en psychiatrie que si on a tendance à se coucher trop tard et à se lever trop tard, on est tiré vers la dépression. Et si on se réveille trop tôt, on est tiré vers l'anxiété, voire le trouble panique. Or, qu'est-ce qu'on se constate? Il y a une explosion de consommation de ces poisons qu'on appelle des somnifères ou des tranquillisants, et également une forte augmentation des antidépresseurs. Ce sont des témoins de l'épidémie. On va rappeler juste une donnée factuelle concernant le sommeil. 40% des Français se plaignaient de leur sommeil avant la crise, pour passer à 60%. Absolument. Aujourd'hui. Absolument, oui. C'est les deux effets que je disais. On a peur et on n'est plus à sa propre heure. Et les synchroniseurs, c'est d'abord le soleil. Comme disait Voltaire, c'est le grand horloger de l'univers, mais également le travail. Et puis si on est résident en EHPAD, ben, c'est le repas, c'est les activités, c'est l'infirmière qui va réveiller le matin pour les médicaments, c'est les visites des familles. Et les synchroniseurs sont partis. Et quand on est confiné, eh bien, évidemment, on a moins accès à l'activité physique. Là, je parle, on va dire, des adultes actifs. Et on a moins accès au soleil à l'extérieur. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour provoquer insomnie, dépression, troubles anxieux. C'eût été simple de les prévenir, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en quelques mots, le problème de santé mentale est selon vous plus inquiétant que la crise sanitaire en elle-même? Ben non, tout est intriqué, puisque on sait que c'est au cours des nuits qu'on fait une mise à jour du logiciel immunitaire. Il a été montré, par exemple, que les infirmières de nuit ont plus de cancers du sein. Et il a également été montré que ceux qui ont eu des Covid graves et qui ont été hospitalisés étaient ceux qui dormaient mal. Parce qu'on ne peut pas faire cette mise à jour et donc on se défend moins bien contre ce vilain virus. Malheureusement, tout repose sur le sommeil, j'insiste là-dessus, la bonne santé, les télomères, c'est-à-dire les indices de longévité, sont réparés par les télomérases au cours de la nuit. Or, en France, dans l'université française, combien d'heures consacrées à l'enseignement sur le sommeil? 0, à part les apnées. Donc, on est dans un paradoxe complet.
C'est un truc simple quand même, le sommeil. C'est pas très compliqué. Il suffit de pas prescrire d'hypnotiques et de tranquillisants parce que ça tue les gens et que ça marche pas, puisque ça fait pas dormir. C'est juste des anesthésiques légers et des substances anti-éveil. Il y a d'autres systèmes. Il y a la mélatonine à libération prolongée. Il y a certaines plantes. Il y a les thérapies cognitives et comportementales. Il y a l'hypnose, la méditation, le yoga, la relaxation. Enfin, il y a plein de trucs qui marchent. Mais on continue en France à prescrire des saloperies qui ne marchent pas et qui tuent, notamment les personnes âgées. Et c'est les personnes âgées qui en prennent le plus, notamment en EHPAD, où malheureusement, comme les EHPAD n'ont pas la main sur les traitements, c'est les médecins traitants qui sont débordés, ben ils font au plus rapide, et je ne leur jette pas la pierre, parce que de toute façon, ils n'ont pas été formés, et prescrivent ces trucs. Merci, docteur Lemoine, et pensez à laisser les téléphones portables, hein, au moins une heure avant de vous coucher. Hein. Hop, on éteint le portable. Ou en tout cas, on le met en mode... Pas après dîner. Pardon, pas après dîner. Pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de mail, pas de chat après dîner. Bien. Je suis désolé. Je sais, je vais faire une émeute. Florence. Cigarette, pas d'alcool. Rien. Message reçu. Promis, docteur, on fera rien. Hein, très bien. Rien. Et puis, Dodo, c'est tout. Sur Netflix aussi, il faut se calmer. Terminé. Picoler, mais pas d'ordinateur. Ça va alors. On a au moins gagné ça. Bien, on ne retiendra pas ce conseil. Florence, un mot de conclusion sur cette table ronde. On est toujours préoccupés, comme tu le vois. Déjà, je veux absolument, tu le sais, rendre hommage à Paul-Émile Haye, avec qui on a beaucoup travaillé depuis fin février 2020. Et toute la commission soins réunie régulièrement par Pauline et Guillaume au CINERPA, et donc évidemment on était en visio, 52 réunions de la commission soins en un an et demi, c'est vraiment le record. Il nous disait souvent qu'ils se sentaient mal aimés, qu'on les réunissait trop peu. Tout est réuni, voilà, c'est réglé maintenant, on n'aura plus jamais ce sujet, et donc vraiment sans eux, alors évidemment il y a les membres du bureau aussi qui se sont fortement mobilisés avec deux réunions par mois pendant toute l'année 2020, mais la commission soins, sans eux, nous n'aurions vraiment pas réussi à comprendre tout ce qui se passait dans nos établissements et dans les établissements. Donc merci, grand hommage pour eux. Et puis évidemment, ce sujet, hein, on l'aura encore, je pense, au Congrès. Donc à chaque manifestation publique du CINERPA, on aura notre encart Covid, voilà, pour l'instant encore. Mais on est là et on y croit. On va y arriver. Très bien, merci aux cinq intervenants merci de cette vous. Table ronde. Je vous invite à regagner la salle.